toi tu m'as donné ton sourire de femme, des larmes sucrées que je n'oublie pas. Avec toi j'ai eu des années-lumière, des châteaux de cartes et des feux de bois. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Les nuits de l'exil, on était ensemble. Mon fils et ma fille, ils sont bien de toi. Tu es comme moi et je te ressemble. Je suis orphelin quand tu n'es pas là. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Je n'ai pas de médaille, je suis venu comme ça. Je suis un homme, un fou d'amour, un fou de toi. J'ai passé ma vie à t'attendre, mais j'ai gagné l'amour de toi. Les bouquets de fleurs semblent dérisoires. Je ne chante plus dès que tu t'en vas. Tu connais par cœur ma vie, mon histoire. Mes chansons d'amour parlent encore de toi. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Je n'ai pas de médaille, je suis venu comme ça. Je suis un homme, un fou d'amour, un fou de toi. J'ai passé ma vie à t'attendre, mais j'ai gagné l'amour de toi. J'ai vu dans tes yeux l'eau de la tendresse qui va du pardon à tes souvenirs. Tu n'as rien promis, je suis ta promesse, et c'est avec toi que je veux vieillir. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Ce n'est pas moi seul qui vais chanter,
Mais c'est nous qui allons chanter. Ça va? Je vis l'espérance d'amour et de foi. Je vis l'espérance d'amour et de foi. Et mon chant s'élance vers toi, divin roi. Grande est ma faiblesse, mon Seigneur.
si nous sommes réunis, et ici et toi, tu es absent, rien ne peut pas aller dans la façon voulue. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous assister, de nous envoyer tout cet esprit afin qu'il puisse nous guider dans ce service. Dieu est mon Père, mon béni, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer aux gens que nous pouvons organiser. Mais nous sommes ici dans l'objectif de mettre en pratique ce que Dieu nous a demandé, qui n'est autre qu'honorer ce qu'on appelle le mariage. Puisque nous savons très bien que les gens qui ont fait choix de Jésus à Cana, ils n'avaient pas honte. Voilà pourquoi nous venons de remettre le rôle de cette cérémonie entre les mains de notre grand Créateur. Les futurs mariés ont fait choix de l'apôtre Paul pour qu'il puisse être là avec nous ce matin. Mais l'apôtre Paul est empêché. Il ne veut pas se présenter pour l'instant. Mais il m'a confié son message. Et voici. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire tout le chapitre. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la langue, je suis un héritier, une dogme ou une séparation ou une enfant. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Voilà le message de l'apôtre Paul. Que dites-vous ?
Voilà la parole du Seigneur. Je ne vous entends pas. Vous ne voulez pas dire la même? Seigneur, nous nommons Jésus, mon Dieu. Première notification d'avoir fait, c'est ça passe pour le sortir de la Konya, mariage de Kouné, ma Konézi, qui s'en connaît. L'air de mon marié, moi, je vais inviter mon faire photo. Il y a mon qui vient de faire photo, mais moi, je vais me marier. Je vais venir faire photo, je vais aller. Vous voyez tout partout. Donc, ça c'est une pertinence. Moi, deux caméras, bien pour ces yeux qui ont été invités. Parce que vous êtes sur le bagage, vous partez. C'est eux qui ont dit nous, parce que nous pas d'accord. Nous avons fait photo, mariage, accepté nous que nous avons invité. Mais il y a plusieurs raisons qui font nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas d'accord. Les tout pour ça, ils ont venu au Paris. Et vous savez qui je suis là, ça oui, à titre de la vie, bien vouloir soumettre le coup pour répondre aux questions posées. Monsieur Tepson Saint-Pierre, voulez-vous prendre mademoiselle Rose Gerline Pierre comme femme et épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Oui, parce. Monsieur Saint-Pierre Tepson, voulez-vous l'aimer, l'honorer, la garder en temps de santé et en temps de maladie, pour le meilleur et pour le pire? Oui, parce. Monsieur Tepson, voulez-vous rester attaché à vos guerriers? Voulez-vous rester attaché à vos guerriers et à vos guerriers seuls tant que vous vivrez tous deux? Oui, parce. Monsieur Tepson, Dieu vous entend et vous comprend. Mademoiselle Rose Gerline Pierre, voulez-vous accepter pour mari et époux, Monsieur Tepson Saint-Ville, et vivre l'ordonnance de Dieu dans le sept états du mariage? Oui, parce. Voulez-vous, et mademoiselle Rose Gerline, voulez-vous l'aimer, l'honorer, le garder, l'apprécier, le respecter? Voulez-vous rester attaché à lui, à lui seul, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, dans la pauvreté comme dans la richesse, pour le meilleur et pour le pire? Oui, devant des témoins, et devant toute assemblée ça. Devant toute assemblée ça. Gardez-vous. Et devant toute assemblée ça. On choisit pour madame. Pour mon aîné. Pour mon chéri. Pour mon honorer. Pour mon caresser. Pour mignonner. Pour vivre avec. Laisse-la voir. Est le symbole de votre fidélité et de l'amour conjugal.
fini. Rosine chérie, ma mère passe à la même pour s'entourer au début de moi, je dis là. Nanon papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen. On va bien. Monsieur Badi, il va y avoir la main, papa. Nous te disons merci pour ces deux jeunes qui viennent de s'engager dans les lieux sacrés et indissolubles du mariage. Nous voulons assurer Seigneur sur leur bénisse. À ses parents et aux parents de mademoiselle Rose Guerlain, qu'il est en possession de cette jolie dame, de cette jolie demoiselle, en enlevant le voile et en lui donnant un baiser sacré, un baiser bien, un baiser appliqué. Mais dis-moi, toi, est-ce que tu rêves
Sentiments